pourrait changer la couleur aussi. Face uniforme, on pourrait l'avoir dans le dans un brun comme ça, par exemple. Pour le petit sien Gilles Grégoire, les limites sont faites pour être dépassées. C'est pourquoi il a décidé d'être le premier au Canada à offrir à sa clientèle des lunettes en bois faites sur mesure. La première chose, on trouve une monture qui convient. Une fois qu'on a trouvé la monture, après ça, on fait le dessin pour l'adapter à la figure des gens. Après ça, on les coupe au laser. Après ça, on monte les charnières. On va courber la monture, puis on va la lustrer aussi. On va faire des vernis dessus pour la protéger. Les avantages à choisir ce type de lunettes sont nombreux. Elles sont uniques, plus légères, conviennent à tous les visages et suivent la mode des produits naturels. Dans le marché, on prend des montures qui sont déjà fabriquées en Europe. Ils arrivent sur nos tablettes. Et puis, à ce moment-là, on prend la monture, ça convient. C'est parfait, ça convient pas. Ben là, on n'a pas le choix de trouver une monture qui convient. Tandis que là, on est capable de faire sur mesure. En plus de ses 24 modèles différents de lunettes en bois, l'opticien s'est déjà mis au défi de réaliser un autre type de monture personnalisée. Un plastique qui serait de sécurité. J'ai un exemple du plastique assez commun, là, comme le polycarbonate. Puis on pourrait innover en imprimant les plastiques, puis en faisant des montures un petit peu plus délicates, un peu plus fines. Natacha Lavigne pour Estrie+.com.